Une élection libre et transparente conduit à la paix. C'est la ferme conviction du roi d'Oussouï qui a fait face à la presse ce samedi pour lancer un appel pressant aux acteurs politiques. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est juste en vue des élections présidentielles qui sont en vue. Et donc, le roi Sibylle Mbaye Diédiou a un message à lancer à toute la nation sénégalaise. Aux Sénégalaises et Sénégalais, aux jeunes garçons comme aux jeunes filles, aux hommes comme les femmes sénégalaises. Et donc, nous savons que les élections, c'est un jeu démocratique et on souhaiterait que ces élections se passent dans le calme, dans la plus grande sérénité et surtout sans violence. Chef coutumier des animistes, interprète des esprits, personnage respecté, le roi d'Oussouï symbolise l'unité et la cohésion sociale, veille au respect des traditions et règle les conflits dans sa communauté avec l'aide de ses conseillers, autres chefs coutumiers et féticheurs. Sibylle Mbaye Diédiou a surtout rappelé l'importance de ces échéances électorales tout en évoquant la violence verbale qui commence à gagner du terrain. Il lance également un appel à tous ces candidats qui veulent se présenter pour ces élections présidentielles. Que le discours ne soit pas un discours violent. Il faut éviter la violence physique, verbale, qui pourrait entacher ces élections présidentielles. Voilà le message que je veux lancer parce que tout simplement, ces leaders également doivent montrer l'exemple à suivre. Le roi d'Oussouï a toutefois invité les Sénégalaises et Sénégalais à choisir le candidat capable de redonner confiance au pays et d'apporter des solutions réelles aux problèmes que rencontrent les populations. De retour d'Oussouï, Amadi Khalilou Yemé pour la radio-télévision Wolfadjiri.